Prayer of all churches for reconciliation, unity and peace was inspired during a vigil of prayer held on Saturday night, November 19, 2005, in the Basilica of the Holy Sepulchre in Jerusalem, the very place where Christ died and rose again. On that night, a few lay persons joined members of monastic communities to pray. The participants then shared with one another their common perception, the urgent necessity for a great intercessory prayer to the Father by the whole Church, the earthly and the heavenly one, for our time, beginning in and proceeding from Jerusalem. A fervent prayer rising from the heart of all Christians, inspired by the Holy Spirit. The graces of reconciliation, unity, and peace asked from God are in fact so great that the strength of the whole Church must be engaged. Today, the Church of Jerusalem calls all Christian communities and all individual Christians to join her spiritually, wherever you are, privately or in community, in a communion of prayer for our time, for the grace of reconciliation, unity and peace in the Church and thus in the world. It is a fundamentally joyful prayer because the participants adhere, by the very nature of the prayer, to the unity for which Christ prayed, and which is itself a source of joy. By a small act of conversion, which consists in willfully praying together, the participants place themselves in the movement of the Spirit, who makes all things new, and hearts rejoice again. The extraordinary prayer begins in and proceeds from Jerusalem, the holy city chosen by God in time and eternity, in both its earthly and spiritual dimensions, to be a place of promise and of particular grace for the human family. Jerusalem, the place where salvation was accomplished once and for all, in fact has a unique vocation, that of being the historic and symbolic departure point of the most beautiful promises and prophecies of the Scriptures. Jerusalem is also the earthly birthplace of the Church by the action of the Holy Spirit at Pentecost. Jerusalem, the mother of all churches, from whom repentance and forgiveness of sins shall be proclaimed in the name of Christ to all nations. When participating in the extraordinary prayer, all Christians are called to follow the underlying spiritual path of Holy Week, to submit to the Father's will, as did Christ in Gethsemane, to repent for their sins while associating with Christ's suffering on the cross, transfigured by his love, so as to find a sense to their own sufferings, to await with profound faith for the realization of the promises of God, while also invoking divine mercy, the limit God has put to the action of evil. Calling all Christians to an extraordinary prayer, the Jerusalem Church invokes upon herself unity in spirit, so that in and from Jerusalem, the unity of the Church may be realized according to Christ's plan, under the powerful, irresistible, and joyful action of the Paraclete. She calls for reconciliation and peace among Christians as the presupposition for peace in the world. In so doing, she responds to her eschatological vocation, reminding the Church to be the salt of the earth and the light of the world. Thank you.
Welcome to all of you who are going to follow this live broadcast of this ecumenical service, which is taking place this Sunday, the 19th of June, which is the 12th Sunday of Ordinary Time for the Roman Catholic calendar, but it is the it's Pentecost Sunday for the Orthodox Church. As you saw from the credits in the beginning, this service is the 13th. Tous les chants de cette célébration mentionnent la Pentecôte, le don de l'Esprit. Car aujourd'hui, les églises orientales célèbrent, selon le calendrier julien, la descente de l'Esprit sur la communauté de Jérusalem au Cénacle. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Père très saint, tu as envoyé dans la plénitude des temps ton Fils unique qui nous a redonné la vie par sa mort et sa résurrection. Tu as répondu sur nous ton Esprit Saint, Esprit d'adoption qui nous pousse à t'appeler Abba, Père. Accorde-nous en ce dimanche de la Pentecôte qui commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres au Cénacle de te glorifier dans la joie et la sainteté. Nous te rendons grâce comme à ton Fils unique, à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. Paix à l'Église et à ses enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre et bonne espérance aux hommes de bonne volonté. Seigneur, aie pitié de nous, viens à notre secours. Ô Dieu, en ce jour de Pentecôte, donne-nous de rejeter le vieil homme, après avoir reçu les dons célestes. Fais de nous des demeures pures de ta divinité. Fais-nous progresser dans l'exercice des bonnes œuvres. Éclaire nos intelligences des rayons de ton Esprit Saint,
Fais que nous te rendions témoignage avec fierté tous les jours de notre vie. C'est le psaume 104 qui est chanté maintenant. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer immense et vaste. Là vivent innombrables les animaux. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan. Tous ces animaux espèrent en toi. Tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Tu la leur donnes, ils la prennent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Tu te caches, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, ils expirent, ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la face de la terre. Que la gloire de Dieu dure éternellement. Que Dieu se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je vais chanter en l'honneur de Dieu tant que je vivrai. Je vais célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en Dieu. Que les pécheurs disparaissent de la terre, qu'il n'y ait plus de méchants. Bénis Dieu, mon âme. Loue le Seigneur. C'est un nouvel hymne à la Pentecôte qui est chanté « Podos d'Akike ». L'Orient est le berceau du christianisme et donc de la liturgie des églises chrétiennes. Et le rite maronite appartient au groupe des liturgies antiochiennes. Et ce groupe est du type syrien occidental, qui s'est organisé autour du patriarcat d'Antioche. Il rassemble les églises jacobites, les Syriens unis et les Malankars. La prière eucharistique utilisée est celle dite de Saint Jacques. Seigneur, aie pitié de nous et sauve-nous. Dieu Saint qui donne la vie, à toi la louange et l'action de grâce. Tu es descendu sur les apôtres rassemblés au Cénacle. Tu leur as donné la vie. Tu leur as enseigné des langues nouvelles pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle au cœur bien disposé. Illumine nos cœurs avec ta volonté. Donne-nous la sagesse de nous tenir en ta présence avec respect. Donne-nous d'enseigner ton nom à nos frères, à nos sœurs. À toi, Esprit du Père et du Fils, la gloire, l'honneur avec eux maintenant et à jamais. C'est le psaume 141 qui est chanté maintenant. Que ma prière vienne devant toi comme le parfum, l'élévation de mes mains comme l'oblation du soir. Dieu, mets une garde à ma bouche, garde l'entrée de mes lèvres. N'incline pas mon cœur à des choses mauvaises pour commettre les actions mauvaises par malice, avec les ouvriers d'iniquité, que je ne goûte pas leurs délices. Que le juste me frappe, ce sera une faveur. Qu'il me reprenne, ce sera de l'huile sur ma tête. Elle ne se détournera pas, car je prierai pour lui dans la calamité. (Sus)
Le psaume 118 est enchaîné. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Je l'ai juré, je tiendrai mon serment, j'observerai tes justes décisions. Accepte en offrande ma prière, Seigneur, apprends-moi tes décisions. Encore un chant à l'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres, qui a fait d'eux des témoins de la bonne nouvelle. C'est un chant à la Vierge qui suit l'invocation à l'Esprit Saint qui a débuté cet hymne. C'est Monseigneur Moussa El-Hadj qui préside cette prière extraordinaire pour la réconciliation et pour l'unité des chrétiens à Jérusalem. إنك كلمتك مصباح
Saint Charbel, un des représentants principaux de l'église maronite, qui est présenté sur le vitrail. Louange, honneur et gloire à l'unique Dieu en trois personnes, au Père source de vie, au Fils engendré par le Père avant les siècles, à l'Esprit d'amour qui procède du Père et du Fils, à Dieu honneur et gloire en cette fête de la Pentecôte, tous les jours de notre vie. Père, nous te rendons grâce pour ta bonté et ton amour, en particulier en ce jour où tu as répandu ton esprit sur tes enfants créés à ton image et à ta ressemblance. En ce jour, l'Esprit est descendu sur les apôtres en forme de langue de feu.
Tu les as remplis de tes dons divins et de zèle apostolique. Cet esprit rend témoignage au Christ. Les disciples ont reçu la force pour être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont entendu un bruit qui descendait du ciel. Ils ont vu des langues de feu qui se sont divisées et posées sur eux. Ils furent remplis de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui était descendu sur le Christ au Jourdain lors de son baptême. C'est cet Esprit qui forme l'Église et lui donne la vie. Et maintenant, esprit de force, esprit de connaissance, de crainte de Dieu, esprit de sagesse, de compassion, d'amour réciproque, sanctifie nos corps et nos âmes pour que nous devenions resplendissants et sans tâche. Donne-nous la vraie foi. Donne-nous l'espérance et la consolation qui nous permettront de dépasser les vanités de ce monde. Guéris notre égoïsme. Allume en nous le feu de ton amour. Fais que rien ne nous éloigne de toi et de la sainteté de ton amour. Donne-nous tes dons comme tu les as donnés aux apôtres. Que notre vie, nos pensées, que nos paroles soient un témoignage jour et nuit. Donne-nous la vraie vie en ce monde et nous pourrons te glorifier dans le monde à venir avec le Père, le Fils et la Trinité Sainte. اشفنا من أنانيتنا وأضربنا بنارك فنحب بعضنا بعضا كما أحبنا ربنا. C'est Monseigneur Moussa El Hadj, l'évêque maronite, qui dirige cette prière extraordinaire pour la réconciliation des églises de Jérusalem. Participe à cette prière le grand sacristain des Arméniens, le propste luthérien, l'archevêque syrien, un représentant de l'Église de Russie, un représentant du patriarcat latin et les évêques maronites. Esprit Saint, c'est toi qui donnes la sainteté aux fidèles et la sagesse à ceux qui sont simples dans leur vie. C'est toi qui as donné la force aux apôtres de rendre témoignage. Accepte notre prière, sanctifie-la. Par ta grâce, remplis-nous de force, de sagesse, de sainteté. Manifeste-nous la richesse des dons célestes que tu accordes à tout homme selon ses mérites. À nous qui te glorifions, nous te rendons grâce, comme au Père, à ton Fils unique, maintenant et à jamais. Lorsque l'Esprit descendu sur les apôtres au Cénacle, sous forme de langue de feu, les apôtres l'ont reçu. Dieu envoie aujourd'hui son Esprit, cet Esprit qui est descendu au Cénacle. Le prophète Joël l'avait annoncé. Il est descendu sous forme de langue de feu. Seigneur, tu as accepté ce que les justes t'ont offert. Dans ta bonté, accepte nos sacrifices, accepte nos prières.
مقدس القديسين ومفقه البسطاء ربنا يسوع المسيح. C'est maintenant l'office des lectures. La première lecture est tirée du livre de l'Exode. Moïse descendu de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Il lavèrent leurs vêtements. Moïse dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. » Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. La Pentecôte évoque dans la liturgie le don de la Torah au Sinaï. قال الرب لموسى امضي الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسل. Lecture du livre de l'Exode. Moïse descendit de la montagne. Il sanctifiait le peuple. Ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute en fumée, parce que Dieu y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement, et Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi Dieu descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. وطور سيناء مدخن كله لأن الرب هبط عليه بالنار فسطع دخانه كدخان الأطون وارتجف كل الجبل جدا وكان صوت البوق آخذا في الاشتداد جدا وموسى يتكلم والله يجيبه بالصوت ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل ونادى الرب موسى إلى رأس الجبل فصعد. فصل من أخبار. La deuxième lecture est tirée des Actes des Apôtres au chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement, d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui nous parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou de conversion, chrétiens, crétois ou arabes, nous les entendons parler dans notre propre langue les merveilles de Dieu. Tout rempli d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout devant les apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous qui habitez Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est seulement 9h du matin. Mais maintenant se réalise la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, sur vos fils et vos filles. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Le chant qui précède l'Évangile, c'est l'Alléluia qui rappelle que l'Esprit Saint a été répandu sur vos fils et vos filles selon la prophétie de Joël. L'Évangile de Saint Jean qui va être proclamé. Le chapitre 16 de l'Évangile de Saint Jean qui est proclamé maintenant par Monseigneur El Hadj, l'évêque maronite. Chantre nous invite à être attentifs, à écouter en silence les paroles de vie, les paroles du salut.
Quand il sera venu, l'Esprit Saint, il convaincra le monde de son péché, de la justice et du jugement. Du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il convaincra de justice, parce que je m'en vais à mon Père, vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Quand viendra celui-là, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Louange à toi, Seigneur, pour ces paroles de vie. C'est Monseigneur Moussa El Hadj, l'évêque maronite, qui va donner l'homélie. Excellence, représentant de sa béatitude des églises orthodoxes et évangéliques, mes confrères, prêtres, religieuses et personnes consacrées, représentant des autorités religieuses et civiles, frères et sœurs, Excellence, bienvenue. Nous nous retrouvons ce soir au patriarcat maronite de Jérusalem pour célébrer avec les églises orientales la fête de la Pentecôte. Nous rappelons l'effusion de l'Esprit-Saint sur les apôtres au Cénacle. Nous le supplions de renouveler cette Pentecôte aujourd'hui. Les apôtres sont partis dans le monde entier pour annoncer l'Évangile, pour que le monde retrouve son unité, une unité de pensée, de cœur et d'action. Ainsi, nous pouvons continuer cette mission d'unité avec joie. Nous avons lu dans les Actes des Apôtres, ceux qui acceptaient cette bonne nouvelle étaient baptisés. En un seul jour, 3000 personnes se sont joints aux croyants. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, à la prière. C'est le même esprit qui nous a rassemblés pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie. L'Esprit ouvre nos cœurs et nos esprits à l'écoute de son action dans le monde. Ainsi, nous suivons l'exemple des apôtres qui étaient les témoins de la résurrection de Jésus à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Saint Luc relate dans les Actes des Apôtres la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres, 50 jours après la résurrection de Jésus d'entre les morts. Auparavant, il avait parlé de l'ascension de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection. Dans son évangile, ainsi que dans l'évangile de Saint Jean, la Pâque et la Pentecôte sont associées. C'est le soir de Pâque que Jésus donne l'Esprit. La Pâque, l'ascension, la Pentecôte sont un seul et même événement théologique, bien que la liturgie les ait célébrés dans la suite. Dans la Bible, le chiffre 40 symbolise les grandes préparations. Le chiffre 50 est celui du jubilé, de la rémission des fautes. La Pentecôte est appelée aussi la fête des semaines et la fête de la grande assemblée. Elle évoque le don de la loi à Moïse au pied du Sinaï. Israël a été libéré de l'Égypte pour recevoir la Torah.
Il est passé de la servitude au service de Dieu. La communauté chrétienne a reçu la loi intérieure de l'Esprit, loi qui n'est plus gravée dans la pierre, mais dans le cœur des fidèles. Luc parle de la descente de l'Esprit au milieu d'un grand bruit. Des langues de feu se sont posées sur les apôtres. Tous ont parlé la même langue. Le fruit du péché de Babel était la division. Pentecôte, c'est l'anti-Babel qui reconstitue l'unité du langage. Pierre, dans son homélie, cite le prophète Joël qui avait annoncé l'effusion de l'Esprit pour la fin des temps. Les prophéties bibliques s'accomplissent ainsi. Avec la Pentecôte commence une période liturgique qui ira jusqu'au 14 septembre, la fête du triomphe de la croix. Cette période est celle de l'Église qui vit dans l'Esprit le mystère du Christ. Dans l'Évangile de Jean, Jésus avait annoncé la venue du Paraclet, de l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Les disciples le connaissent car il demeure en eux. Dans les textes sur le Paraclet, Saint Jean présente l'Esprit comme le maître intérieur. C'est le Maître qui nous enseignera toutes choses, qui nous conduira vers la vérité tout entière. Il est la mémoire qui rappellera aux disciples les paroles de Jésus. Enfin, l'Esprit qui procède du Père et du Fils rendra témoignage au Christ. Les apôtres sont appelés à rendre témoignage, eux aussi. L'Esprit convaincra le monde à propos de son péché, de la justice, du jugement, du péché, car le monde refuse de croire. De la justice, car le Christ part vers son Père. Du jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Aujourd'hui, l'Esprit nous parle à travers les paroles du pape François dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Pour maintenir vive l'ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme en l'Esprit Saint, car c'est lui qui vient au secours de notre faiblesse. Mais cette confiance généreuse doit s'alimenter. C'est pourquoi nous devons sans cesse l'invoquer. Il peut guérir tout ce qui affaiblit notre engagement missionnaire. Il est vrai que cette confiance en l'invisible peut nous donner le vertige. C'est comme se plonger dans une mer où nous ne savons pas où nous allons rencontrer et qui nous allons rencontrer. Moi-même, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Toutefois, il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit en renonçant à vouloir calculer, à tout contrôler, de permettre à l'Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. On appelle cela être mystérieusement fécond. Avec l'Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu des disciples. Elle priait avec les apôtres. Elle a rendu possible l'explosion missionnaire de l'Église advenue à la Pentecôte. Elle est la mère de l'Église évangélisatrice. Sans elle, nous n'arriverons pas à comprendre pleinement l'esprit de la nouvelle évangélisation. À la mère de l'Évangile vivant, nous demandons d'intercéder pour que toute la communauté ecclésiale accueille cette invitation à une nouvelle étape de l'évangélisation. Elle est la femme de la foi, qui vit et marche dans la foi. Son pèlerinage de foi exceptionnel représente une référence constante pour l'Église. Elle s'est laissée conduire par l'Esprit dans un itinéraire de foi vers un destin de service et de fécondité. Nous fixons aujourd'hui notre regard sur elle pour qu'elle nous aide à annoncer à tous le message du salut, pour que les nouveaux disciples deviennent des agents évangélisateurs. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion
par le témoignage du service de la foi ardente et généreuse, par le témoignage de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre, qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. فإن لم أمضي لا يأتي إليكم البرقليط المعزي أما إذا ذهب فإني أرسله إليكم وهو متى جاء حسب الإنجيل الذي سمعناه يوبخ العالم على الخطيئة وفي شأن البر والدينونة والكلمة الخامسة والأخيرة يقول فيها يسوع متى جاء روح الحق فهو يقود خطاكم في الحق كله وهو سوف يمجدني لأنه سيأخذ مما هو لي وينبئكم به أيها الأحباء بهذه الكلمات يتوجه إلينا الرب يسوع أيضا ليسألنا عن دور الروح في حياتنا مسؤولين روحيين كنا أو مدنيين مسيحيين في قلب العالم والسؤال هل نشهد نحن أيضا للمسيح في حياتنا نحن الذين نلنا تعليم الرب يسوع هل المسيح حقا فينا ومعنا والمسيح يذكرنا دوما بحضوره فينا فكيف نعيش هذا الحضور الروح يدعونا على لسان قداسة البابا فرانسيس لقراءة علامات الأزمنة بحسب الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل قائلا لننطلق كي نقدم للعالم حياة يسوع المسيح لا نريد كنيسة منشغلة بأمور جانبية وثانوية متمسكة بالرفاهية ومنغلقة على ذاتها بل أن يحثنا ضميرنا avec toute l'église de Jérusalem nous prions Père, béni soit ton nom. Ton Fils est venu dans le monde, non pas pour le condamner, mais pour le sauver. Aie pitié de nous. Regarde les plaies de ton Fils. Elles sont grandes ouvertes. Rappelle-toi le prix qu'il a payé pour nous sauver. Rappelle-toi ces plaies saintes, les deux cœurs qui ont été unis dans l'amour, les deux cœurs qui ont souffert, le cœur de Marie, le cœur de ton Fils bien-aimé. Père, rappelle-toi ta promesse. Envoie-nous le Paraclet. Envoie-nous l'Esprit de vérité pour rappeler au monde la vérité. Rappelle-toi de l'humilité, de l'obéissance, de l'amour de ton Fils. Père, le royaume de la division crie et demande la paix et l'unité. Le moment est venu. Le corps de ton Fils, avec ses plaies, appelle la justice que le monde n'a pas connue. Par le cœur immaculé de Marie, par le cœur de Jésus, donne-nous la paix profonde. Accomplis les Écritures en accomplissant la prière de ton Fils. Que tout soit un dans la Trinité, afin que nous puissions t'adorer et te louer autour d'un seul tabernacle. أن نصلي أن ينطلق هذا الروح من أورشليم إلى كل الكنائس كما في بداية الكنيسة المسيحية فمع الروح القدس مريم العذراء حاضرة دائما وسط الشعب كانت مع التلاميذ للتضرع إليه وهكذا مكنت من حصول التفجر الإرسالي يوم العنصرة إنها أم الكنيسة المبشرة وبدونها لن نتوصل إلى أن نفهم كليا روح التبشير الجديد بالإنجيل معها نختم صلاتنا قائلين أو كلمتنا قائلين يا نجمة التبشير بالإنجيل ساعدينا على أن نشع بشهارة الشراكة والخدمة والإيمان المتقد والسخي والعدالة وحب الفقراء كي يبلغ فرح الإنجيل حتى أقاصي الأرض يا أم الإنجيل الحي
يا مصدر فرح للصغار صلي لأجلنا بنعمة الآب والابن والروح القدس له المجد إلى الأبد آمين هللويا. C'est par un hymne de Saint Ephrem, un hymne de la tradition syriaque, que se termine cette liturgie. La prière finale nous invite à louer la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est maintenant le Trisagion qui est chanté. Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, Dieu Immortel, aie pitié de nous. Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, Dieu Immortel, aie pitié de nous. Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, Dieu Immortel, aie pitié de nous. Maintenant, nous allons dire le Pater Noster, chacun dans sa propre langue. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. Chacun dans sa langue récite la prière du Christ. C'est l'esprit de Pentecôte qui va nous permettre de nous comprendre les uns les autres. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد مبارك أنت أيها الآب أبو ربنا يسوع المسيح يا من جعلت لنا Seigneur, le jour et la nuit t'appartiennent. C'est toi qui donnes la lumière. C'est ta puissance qui maintient la suite des saisons. Seigneur, le jour s'achève, la nuit approche. Sois pour nous le jour qui n'a pas de fin. Que ta lumière brille en nos cœurs. Durant la nuit, illumine-nous par la connaissance de ta vérité. Nous te glorifierons tous les jours de notre vie, toi qui es Père, Fils et Esprit. Que ta miséricorde soit sur nous. ببلش الأساقفة مع الكهنة والرهبات والمؤمنين بنكفي صلاتنا مع رتبة Le diacre invite maintenant l'assemblée à se rendre sur la terrasse de la chapelle pour la deuxième partie qui sera un moment d'adoration du Père, du Fils et de l'Esprit. Les évêques se dirigent maintenant vers la terrasse en pensant bien sûr à la situation des chrétiens du Moyen-Orient. L'affrontement avec l'ISIS est quotidien dans certaines régions. Le christianisme doit pouvoir compter sur la prière de tous les chrétiens du monde entier en ce moment tellement difficile.
Esprit Saint, mets au cœur de tous les croyants du monde l'amour fraternel qui leur permettra de se rencontrer dans un esprit d'échange, de partage, au-delà de leurs différences. Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l'autre. Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité, pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour où chacun reçoit autant qu'il donne, même si nous venons de chemins très différents. Esprit Saint, donne-nous la force de la foi. Rassemble-nous dans une volonté commune d'évangélisation, car la bonne nouvelle doit être annoncée aux pauvres. Apprends-nous la joie dans la foi. Apprends-nous la joie de l'espérance et de l'amour qui transforme le monde, qui libère tout homme de ses péchés, de ses misères spirituelles. Esprit Saint, fais de chaque baptisé un rayon de lumière pour que nous puissions découvrir la présence de ton amour dans un monde divisé, dans un monde de violence. À partir de cette terrasse, nous découvrons la vieille ville de Jérusalem avec le clocher de l'église du Saint-Sauveur au fond. Au fond, nous devinons la coupole du Saint-Sépulcre, l'endroit où le Christ est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Les paniers contiennent des petites bouteilles d'eau, l'eau qui sera bénie. L'Esprit, comme l'eau, va nous purifier. L'Esprit va nous donner la vie, comme l'eau donne la vie. La première partie consiste à adorer le Père. Nous demandons la miséricorde de Dieu. Nous mettons à genoux pour adorer le Dieu très saint, pour recevoir le pardon de nos fautes que donne l'Esprit. L'Esprit fut envoyé au Cénacle sous forme de langue de feu, pour que nous soit donnée la joie et la confiance. Tout le monde se met à genoux. Les coupoles que vous voyez, les coupoles du Saint-Sépulcre autour du tombeau du Christ. Dieu des bontés, nous te rendons grâce. Donne-nous à boire ce vin que tu as donné aux apôtres au Cénacle le jour de la Pentecôte. Alors nous serons ivres de ton amour. Tu nous rendras forts. Nos âmes et nos lèvres seront sanctifiées par ton feu spirituel. Donne-nous de porter au monde la connaissance de ta divinité en baptisant en ton nom.
Nous ferons monter vers toi la louange due et nous offrirons gloire et reconnaissance à la Trinité adorable, à la Trinité glorieuse, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Si le jour du salut et de la consolation, le Père a répandu le don des langues sur les apôtres, corrigeant leurs erreurs. Réjouissons-nous avec les apôtres, louons, adorons le Fils, afin qu'il pardonne nos fautes. Nous le glorifions, nous le remercions, maintenant et à jamais. ندعوك استجب دعاءنا يا رب. قوموا بقوة الله وسبحوا الراكب على المغارب. Par la force de Dieu, levez-vous. منح الله الآب الروح القدس متجزئا في حلوله على التلاميذ ليبشروا العالم بالخلاص فلنفرح به مع الرسل. ونسعد لله المجد إلى أبد الآبدين. Après avoir adoré le Père, nous adorons maintenant le Fils en nous mettant à genoux. Mettons-nous à genoux, supplions le Seigneur pour qu'il nous révèle sa miséricorde. Avec les anges qu'il adore avec crainte, nous adorons le Père de la vérité, car il est notre Créateur et notre Seigneur. Devant lui, tout genou fléchira. Toute langue proclamera Jésus est le Seigneur. Adorons le Fils envoyé par le Père des Lumières. Il a eu pitié de nous. Il a prié pour nous. Il nous a soulevés dans notre chute. Adorons l'Esprit, le Paraclet. En ce jour, il fut envoyé par le Père invisible. Il a enlevé nos péchés. Il nous a revêtus de gloire et de victoire. Christ notre Dieu, nous voulons t'adorer en vérité et en esprit. Les dons de l'Esprit ont apporté la sainteté à l'Église. Nous t'adorons avec le Père qui t'a envoyé pour notre salut, avec l'Esprit de vie, maintenant et pour les siècles. كما وعدتهم وزينت الحكمة الإلهية وعلمتهم ألسنة كل الشعوب في الأقطار الأربعة أهلنا أن نسجد لك بالنهار. Ce jour, les cieux et la terre se réjouissent. Les chérubins, les séraphins chantent. Les apôtres exultent parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. En ce jour, l'onction divine qui fut enlevée à Adam après son péché nous a été redonnée. Les apôtres ont reçu cette onction. Le péché du peuple a été enlevé. Les nations ont expérimenté le salut. Seigneur, à toi la gloire. وسبحوا الراكب على المغارب هذا هو اليوم الذي فرحت به السماء والأرض والملائكة والرسل
Les cieux et la terre se réjouissent. L'onction divine qui fut enlevée à Adam après son péché nous est redonnée. Les apôtres ont reçu l'onction de l'Esprit. Le péché du peuple a été enlevé. Après avoir adoré le Père et le Fils, nous adorons maintenant l'Esprit Saint en posant nos deux genoux à terre. Agenouillons-nous, demandons la miséricorde de Dieu. Inclinons nos têtes pour adorer le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui a parlé par les prophètes, par les visionnaires, qui nous a révélé les choses cachées, qui annonçait des choses à venir. Il est descendu sur les apôtres sous forme de langue de feu. Esprit Saint, Paraclet, fais de nous des temples vivants de ta gloire. Sanctifie nos âmes par ta grâce. Toi qui procèdes du Père et du Fils, nous t'adorons pour les siècles. يا من ولدتنا من حشى المعمورية الغافرة وجعلتنا لك هياكل مقدسة أهلنا أن نشكرك الشكر الواجب مع الآب والابن الآن وإلى الأبد. أيها الرب إلهنا. Le mont des Oliviers apparaît sur vos écrans, avec la mosquée dite d'Omar. Maintenant, les deux coupoles du Saint-Sépulcre sont visibles. Par la puissance de Dieu, levez-vous. J'invite Monseigneur Moussa El-Hadj, l'évêque maronite, qui préside cette prière d'adoration du Père, du Fils et de l'Esprit, à partir de la terrasse du couvent des Maronites. C'est ce même évêque maronite qui va bénir l'eau maintenant. Bénis cette eau par la puissance de ton esprit, qu'elle éloigne de nous le mal. Que ceux qui la boiront, qui se laveront avec elle, reçoivent la guérison de l'âme et du corps. Nous te louons, toi le Père, le Fils et l'Esprit. وعربنا الحياة الأبدية فنمجدك ونسجد لك ونشكرك أيها الآب مع ابنك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين روس على يبقى Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purifiés. Lave-nous, nous serons plus blancs que la neige. En ce jour de Pentecôte, nous demandons à Dieu de répandre sur nous, sur tous les enfants de Jérusalem, l'Esprit Saint, qui nous apporte les bénédictions du ciel et de la terre, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous protège de nos ennemis, qu'il guérisse nos malades, qu'il console les veuves et les orphelins, et assure une subsistance digne aux pauvres, et qu'il nous conduise après cette vie à la vie éternelle.